5 ou la Ciotat. Alors, petite vue de là où nous nous trouvons. Nous sommes ici. Il nous reste ce trajet-là à faire. Alors, le vent, il est comme ça. 25-30 nœuds. Donc, peut-être demain, ça. Ou ça. On ne sait pas encore. Pour dimanche. Chut. Alors, voyons voir ce que nous allons manger. Bon, bah, je viens de prendre la température de l'eau à la Ciotat. 18 degrés. Hein. J'ai mis le thermomètre dans l'eau. Il fait beau aujourd'hui, mais la température de l'eau... pour se baigner, 18 pour moi ça... Alors il y en a à qui ça conviendra très bien, hein. Mais moi 18 degrés, non. Moi faut au moins que ça soit 25, hein. 25 je m'y mets. C'est une journée stand-by, car ça claque dans le mauvais sens. Dehors on se prend des rafales. Ouais. Voilà. Ce cap, le cap Sissier, voilà. Là-bas au loin, nous voyons le cap Sissier. Ici, c'est le bec de l'aigle. Donc, tout à l'heure, mission secourisme. Une petite dame avec une planche à voile, là, elle était embarquée là-bas. Son moniteur était de l'autre côté là-bas, il ne voyait pas. Et puis, elle faisait au secours, au secours. Elle s'est tapée dans le bateau. Elle dit, vous naviguez? Ben non, on était à l'ancre. Alors je suis allé la chercher avec mon petit bout d'annexe. Et son moniteur a fini quand même par venir la chercher. Mais elle se faisait embarquer là, costaud. Quelle température il fait, Louloute, s'il te plaît? 25 degrés, 18 dans l'eau. On peut même pas dire qu'on envoie le drone pour faire des images. D'une part parce que la région l'interdit. Et d'autre part parce qu'il y a trop de vent. Mais c'est agréable de rester au mouillage un petit peu sur son bateau, d'en profiter un petit peu, prendre son temps. C'est les vacances et on n'invite pas. C'est pas forcément désagréable de prendre un petit peu de temps sur son bateau. J'ai enlevé quelques traces noires qui persistaient aux produits nettoyants assez puissants de gel côte avec. De l'acétone sur la coque, il n'y a pas de souci, ça l'enlève bien, ça n'abîme pas, ça n'enlève pas la l'acétone sur le gel coat, ça va. Les traces noires que j'avais, ça les a enlevées au premier coup de frottement, donc nickel. Bon, il n'y a pas de vague, là on est complètement protégé de la houle, le vent vient là. J'ai mis 40 mètres de chaîne sur 6 mètres de fond. On n'a pas envie de s'en aller du bateau. Hein? Si, j'aurais envie. Oui, non, mais. Bah, tu peux, bah, je reste sur le bateau, Louloute. Comme tu veux. Hein. Moi, je reste sur le bateau parce que. Bon. C'est quand même. Assez conséquent, le vent. Allez, je vous fais un petit. Hop! Ouais, on a un bateau là derrière, il est arrivé, ça fait une petite demi-heure, ça fait déjà deux fois qu'il essaye de reprendre son mouillage. Il n'y arrive pas très bien à l'accrocher. Où est Dora? Qui est là-bas? L'ancre est juste ici en dessous, là, sous le petit truc orange que vous voyez, pratiquement à la proue du bateau maintenant, ça passe derrière la proue là. Voilà, elle est passée à gauche, la petite bouée Dora. Ça, on sait où est notre ancre, et les autres aussi. Là ça tire. Regarde ça.
tendu comme un string. Alors, hein, c'est quelque chose, hein. Il y a du vent, hein. Ça, on voit. Alors, l'alarme de mouillage. Voilà. Donc on se promène pas mal par ici. On se promène. On se promène. Hein? Yeah. Là-bas à gauche. Ouais. Mais ça aurait mieux fait d'aller dans le sable là-bas là. Mais il y a du monde, hein. Il y a du monde. Mais encore, il y a encore de la place à deux. Il y a encore de la place. Petit café. Petit café. Hop. Ok. L'alarme qui vient de se déclencher quand même. Allez, petit café sous le soleil. Vas-y que je te promène un coup comme ça. Ah ben, le paysage change tout le temps, c'est d'où l'importance de bien dimensionner son mouillage. Hein. Allez, c'est reparti pour une rafale. On a l'abri ici. Sans que ça en voit quand même. Jamais essayé les cabines arrière sur ce bateau. Il y a de la place. On est pas mal. On s'enfonce un petit peu plus. Je suis en train de recharger avec mes panneaux solaires en 220 les batteries de Drouni et la petite Minette. Yoko, Minette, t'es où ma chérie? Où t'es là? Ça va? Ben ça va pas mal, hein. Elle dort. Elle passe son temps à dormir, à manger et à crotter. Voilà, la vie d'un chat. Alors lui, c'est pareil, hein, il fonctionne sur le 220 à la Ciota. Hop. Nous sommes ici. Là. Bon, voilà, le vent se calme un petit peu. Alors demain, on se rapproche du golfe de Foss. Pour qu'après demain, nous soyons à l'heure pour la sortie du bateau. Ce soir à la Ciota, il y a toujours un petit peu de vent. Ça va durer encore quelques heures, ça va se calmer un peu dans la nuit. On va garder quand même 15 nœuds et on va décoller demain matin. À quelle heure, madame? 17h. D'accord. Il est 19h50 et on est à 99%. J'avais laissé ma navigation allumée. Puis le soleil commence à être rasant. On sort maintenant. Quelques watts du panneau.
30 watts grosso modo et 2 ampères. 2 ampères. La charge aujourd'hui 1,52 kW. C'est la plus grosse charge que nous ayons faite. Nous sommes restés au mouillage toute la journée. Et c'est le plus gros besoin que nous avons eu. J'ai regardé la télé cet après-midi. Je me suis fait un petit film. Je me suis servi des ordinateurs. Et ce soir, on est pratiquement full toujours. Et là, les batteries qui étaient déchargées à 70% ce matin, à midi et demi, elles étaient full. Il y a eu quelques passages nuageux d'altitude qui ont un petit peu enlevé de l'efficacité aux panneaux solaires, mais ça nous a permis d'utiliser toute l'énergie qu'on a souhaité aujourd'hui. Et on aurait même pu utiliser encore bien plus. Voilà, le soleil baisse sur l'horizon. On a fermé la capote à l'avant parce que c'était vraiment insupportable ce vent qui rentrait à fond la caisse là-dedans. Ça se calme quand même un petit peu ce soir à La Ciotat. Demain, on va passer là-bas, entre l'île verte et le continent. Et le bec de l'aigle, qui n'a pas du tout le même aspect de ce côté-ci que quand on est de l'autre côté. C'est un peu. Attention, minette. Madame attend les croquettes. Catherine prépare notre repas de demain midi. Que nous ayons à grignoter quelques petites choses faciles. Des crudités, c'est ça, de la mozzarella, des œufs durs. Et du thon. On a replié le paddle comme on avait le temps. On l'a bien rangé. Commencer à ranger les choses. Que nous ayons le moins possible de choses à faire avant de partir. Tu nous fais des knackis purés. On est en train de faire les fonds de tiroir parce qu'on ne va pas refaire des grosses courses. Peut-être un peu de vache qui rit. Miss, qu'est-ce que tu veux, toi? Hein? T'as envie de quoi? Knacki? Knacki purée? Oh, cette misère. Un bois d'eau de vide encore, hein, celle-là. Fin de journée à La Ciotat et dernière soirée pour nous ici. Elle me fait une comédie, là, depuis tout à l'heure. Oui, ça vient! On dirait que je ne donne pas à bouffer, punaise, c'est dingue ça. 3 fois par jour, t'en as. Hein? 3 fois. Pour la purée, c'est mort. Elle devait être périmée. Bizarre. On va donner ça à manger aux poissons. Bon, le vent a fini par un petit peu s'estomper quand même. Ça n'a pas été cadeau de la journée. Hein. Bon, l'eau, c'est pareil, il faut qu'on la vide. Hein. Donc, on fait pas attention à l'économie. Du coup, ça va être knacki chips. Hier, j'y crois pas. J'y découpe des petits bouts de poulet tout fins. Madame fait ça difficile. Et non, c'est de la croquette. Tu veux un yaourt? Tiens. On sait toujours pas pourquoi Harry la vache. Non. Moi, quand j'étais gamin, on m'avait dit, tu sais pourquoi la vache qui rit, elle rit. Ben, j'attends toujours la réponse. Hein. C'est une escroquerie. Hein. Maintenant que tu as le ventre plein, ça va mieux. Hein. Oh, oh, oh. Mince, il y a Cathy Mini qui est encore en bas, là, Kat. On va peut-être la remonter, hein. Qu'est-ce que c'est, ça? Hein, c'est de la brioche, ça. Hein, tu fais comme ton papou, tu fais du gras.
mignonne. Tu sors pas les cuisses, vous avez bien. Katie Mini est en place.